dans Gidenezie. Un soldat qui rentre chez lui. S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché. Voilà un joli endroit si on se reposait un moment. Mais le fichu métier qu'on a, toujours en route, jamais le sou. C'est ça, mes affaires, sans dessus-dessous, mon Saint-Joseph qui est perdu. C'est une médaille en argent doré avec Saint-Joseph, son patron, dessus. Non, tant mieux. Va toujours fouillant, sort des papiers avec des choses dedans, des cartouches, sort un miroir, tout juste si on peut s'y voir. Mais le portrait, où est-ce qu'il est? Un portrait de sa bonne amie qui lui a donné son portrait. Il l'a retrouvé, il va plus profond, il sort de son sac un petit violon. On voit que c'est du bon marché, il faut tout le temps l'accorder. Thank you.
Donnez-moi votre violon. Non. Vendez-le-moi. Non. Changez-le-moi contre ce livre. Je ne sais pas lire. Vous ne savez pas lire, ça ne fait rien. C'est un livre, on n'a pas besoin de savoir lire pour le lire. C'est un livre, je vais vous dire, qui se lit tout seul. Il se lit pour vous. On n'a qu'à l'ouvrir, on sait tout. C'est un livre, c'est un coffre-fort. On n'a qu'à l'ouvrir, on tire dehors des titres, des billets, de l'or. Faudrait me le montrer d'abord. Je suis parfaitement d'accord. À terme, à vue, cours d'échange, pas moyen d'y rien comprendre. Je lis, c'est vrai, mais je ne comprends pas. Essayez toujours, ça viendra. Et puis aussi, monsieur, si ce livre vaut tant d'argent, mon violon à moi, il m'a coûté 10 francs. Ce que c'est quand même que l'honnêteté. Elle va vous récompenser en vous faisant faire une bonne affaire. L'occasion n'est pas ordinaire. Dites que oui, profitez-en. Oh bien, si vous y tenez tant. À terme, à vue, cours d'échange, bourse du samedi 31, quel jour est-ce qu'on est ? On est un mercredi, le mercredi 28. C'est un livre qui est en avance. C'est un livre qui dit les choses avant le temps. Drôle, ça. Le diable, après avoir inutilement essayé de jouer. Dis donc, tu vas venir chez moi. Pourquoi faire ? Tu ne vois pas ? Je n'ai pas encore le coup. Tu me donnes vite 2 ou 3 leçons et je te ramène à la maison. Où est-ce que c'est, ça, chez vous ? Tout près d'ici, de tes côtés. C'est que je n'ai que 15 jours. Rien que 15 jours de congé. Ce sera pour toi à peine un détour. Et puis j'ai ma voiture. Tu seras rendu plus vite qu'à pied. Et ma fiancée qui m'attend. Puisque tu arriveras à temps. On sera logé ? Logé, nourri, soigné, rafraîchi, dorloté. Ma voiture pour te ramener. 2 ou 3 jours, un tout petit détour. Après quoi, riche pour toujours. Qu'est-ce qu'on aura à manger ? La cuisine est au beurre et de première qualité. On aura de quoi boire ? Rien que du vin bouché. Et on aura de quoi fumer ? Des cigares de la Havane à bague en papier doré. Eh bien, c'est comme vous voudrez. C'est comme vous voudrez, je vous dis. Et il a suivi le vieux chez lui. Qui se trouve avoir dit l'exacte vérité, c'est-à-dire que Joseph a eu à boire et à manger et a été soigné comme il n'avait jamais été. Et montra au vieux à jouer et le livre lui fut montré. 2 jours valant bien le détour. Puis, vint ce matin du 3e jour, tout à coup, il vit le vieux qui entrait et le vieux lui dit « Es-tu prêt ?» Mais d'abord, « As-tu bien dormi ?» Et Joseph qui répond que oui. « Et est-ce qu'on a tenu ce qu'on t'avait promis ?» Et Joseph qui répond que oui. « Alors, tu es content ?»« Oh oui !» Eh bien, dit le vieux, « Allons-y !» Ils montèrent dans la voiture partit. Mais tout à coup, Joseph s'accroche des deux mains au rebord en cuir des coussins. « Attention, tiens-toi bien, c'est que mes chevaux vont bon train. » Il voudrait se lever, il voudrait sauter, pas moyen. La calèche est montée en l'air, elle prend le ciel en travers. « Es-tu content? Es-tu toujours content? » Elle glisse en l'air au-dessus des champs, combien de temps? Il n'y a plus de temps. Dans J2Z, un soldat qui rentre chez lui. Thank you.
marché. Réjouit d'être arrivé parce qu'il a beaucoup marché. Bravo, ça y est, on est chez nous. Bonjour, Madame Chapuis. Elle est dans son plantage. Bonjour, comment ça va-t-il? Elle n'entend pas, mais... voilà Louis. Hé, Louis ! Il passe dans le pré sur son char à échelle. C'est Louis. C'est un vieil ami. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Lui non plus, qui ne répond pas. Hé, Louis ! Tu ne me reconnais pas ou quoi ? Joseph ! Joseph, le soldat ! Joseph, tu te rappelles bien ? L'autre continue son chemin. Il continue aussi le sien. Et voilà la maison d'école avec sa cloche et les engins. Joseph ! Joseph, vous vous rappelez bien ? Voilà le four, l'auberge, et partout des gens à présent, des hommes, des femmes, des enfants. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'ils auraient peur de moi ? Vous vous rappelez bien pourtant ! Joseph Duprat ! Joseph ! Une première porte se ferme, une autre qui s'est fermée, et une encore. Et elle crie, est enrouillée, toutes ces portes qu'on entend. Et lui, alors, heureusement, c'est qu'il pense à sa mère. Mais le voyant venir, elle se sauve en criant, et il pense, j'ai ma fiancée. Mariée, deux enfants. Ah, brigand, bougre de brigand, je sais qui tu es à présent, je comprends, j'y ai mis du temps. Ce n'est pas 3 jours, c'est 3 ans. Ils m'ont pris pour un revenant, je suis mort parmi les vivants. Ah, brigand, bougre de brigand, je l'ai écouté bêtement, et c'est vrai que j'avais bien faim et que j'étais bien fatigué. Ça n'explique pourtant pas pourquoi je l'ai écouté. Est-ce qu'on fait attention à ce que les gens qu'on ne connaît pas vous disent ? On leur répond, je ne vous connais pas, au lieu de quoi je l'ai écouté. J'aurais dû me méfier de lui, au lieu de quoi je l'ai écouté bêtement, je l'ai écouté, je lui ai donné mon violon. Ah, malheureux que je suis. Et à présent, qu'est-ce que je vais faire ? Et à présent, qu'est-ce que je vais faire ? Et à présent, qu'est-ce que je vais faire ? Thank you.
brigand, bougre de brigand. Qu'est-ce que tu vas faire à présent? Un brigand, attends seulement! Tâche de parler poliment, appuie tranquille. Bon, tu m'entends? Qu'est-ce que tu vas faire à présent? Je vais rentrer au régiment. On t'attachera à un pieu avec un bandeau sur les yeux. As-tu déjà tout oublié? Et ce livre bien relié? Il est parmi mes affaires. Mais alors de quoi te plains-tu? Tu as plus que le nécessaire, puisque tu as le superflu. Et puis tu es soldat ou quoi? Fais voir à ces messieurs et dames. Garde à vous! Bouge plus! Bon, ne cache-moi ça. Le soldat remet le sabre au fourreau. Ôte ton sac, pose-le là. Bon, tu reprends la position. Garde à vous! À présent, attention. Tu vas ôter ton bonnet de police. Mets ça, tiens. Il lui jette une casquette. Elle te va joliment bien. Aux tavareuses, on trouvera un veston. Tu reprends la position. Garde à vous! C'est pas fini. Le livre, où est-ce que tu l'as mis? Ah oui, tu me l'as déjà dit. Va le chercher. Mais rien que le livre. Bon, tu l'as? À présent, tu reviens vers moi. Mais ne le tiens pas comme ça. Tu pourrais le perdre. Mets-le sous ton bras. Un livre qui vaut des millions. Mais là, sous ton bras. Ça va bien, mon garçon. Il sort le violon de sa poche. Ce que j'ai est ce que tu as. Chacun son bien, comme tu vois. Il se mit à lire dans le livre et le produit de la lecture fut l'argent, fut beaucoup d'argent, parce qu'il connaissait l'événement avant le temps. Il se mit à lire tant qu'il put, alors il eut tout l'argent qu'il voulut et avec cet argent tout ce qu'il voulait, ayant été marchand d'abord, marchand d'objets. Mesdames, mesdames, choisissez. Teintes en noir, bleu marine, bleu moyen, bleu joffre, bleu pastel, bleu ciel, beige, sable, teinte mastique, gris noir, gris gris, gris moyen, gris argent, violine, nègre, taupe, brun, kaki, étoffe grisaille, 140, 130, 120, 110 de large, étoffe fantaisie, crêpe de Chine, satin duchesse, prix d'avant-guerre. Puis il n'y eut même plus besoin d'objets parce qu'on est entré dans l'esprit. Et on est en dehors du temps et j'use des autres comme j'entends parce qu'ils sont dans le présent et moi je sais déjà quand eux croient seulement. C'est un livre qui se lit tout seul, c'est un coffre fort, on n'a qu'à l'ouvrir, on tire dehors des titres, des billets, de l'or. Et les grandes richesses alors, et tout ce que les grandes richesses sont dans la vie, femmes, tableaux, chevaux, châteaux, tables servies, tout, j'ai tout, tout ce que je veux, tout ce qu'ont les autres, et je le leur prends, et ce que j'ai, eux, ils ne peuvent pas. Alors, il va des fois le soir se promener. Assis ce soir, c'est un beau soir de mai. Un beau soir de mai, il fait bon, il ne fait pas trop chaud comme plus tard dans la saison. On voit le merle faire pencher la branche, puis la quittant. La branche reprend sa place d'avant. J'ai tout, mais
J'en arrose le jardin. Combien d'arrosoirs? Fin de semaine, samedi soir. Ils se sont un peu fatigués. Les petites filles jouent à Capitaine Russe. Partez. J'ai tout. J'ai tout ce qu'ils n'ont pas. Alors comment est-ce qu'il se fait que ces autres choses ne soient pas à moi, quand tout l'air sent bon comme ça? Seulement, l'odeur n'entre pas. Tout le monde et pas moi qui est en train de s'amuser, des amoureux partout, personne pour m'aimer. Les seules choses qui font besoin, et tout mon argent ne me sert à rien parce qu'elles ne coûtent rien, elles ne peuvent pas s'acheter. C'est pas la nourriture qui compte, c'est l'appétit. Alors je n'ai rien, ils ont tout. Je n'ai plus rien, ils m'ont tout pris. Et rentrons à présent chez lui. C'est pas les cordes qui font le son, parce que toutes les cordes y sont, et ce n'est pas la qualité du bois, j'ai les plus fins, les plus précieux. Mon violon valait 10 francs, mon violon valait bien mieux. Satan, Satan, tu m'as volé, comment faire pour s'échapper, comment faire? Est-ce que c'est dans le livre, ça? Et il l'a ouvert encore une fois, l'a ouvert, l'a repoussé. Satan, Satan, tu m'as volé, mais peut-être que le livre sait quand même. Il sait tout. Alors, dit-il au livre, réponds. Les autres sont heureux. Comment est-ce qu'ils font? Les amoureux sont sur le banc. Comment faire? Comment faire pour être comme avant? Dis donc, parce que tu dois savoir comment faire pour ne rien avoir. Sonnerie du téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, c'est pour ces 500 000 francs. Est-ce qu'il faut les verser à votre compte courant? Toc, toc, toc! C'est un télégramme qui lui apporte des nouvelles de ses bateaux. Toutes les mers, à moi. Je suis enfermé. On m'envie comme jamais homme n'a été envié. On m'envie, je suis mort. Je suis hors de la vie, je suis énormément riche, je suis riche énormément, je suis mort parmi les vivants. En voilà-t-il pas des façons pour un pauvre petit violon? Va-t'en, je te dis, va-t'en. Ah, je vois qu'on y revient pourtant. On commence par dire non, puis on se fait une raison. Le diable apparaît, habillé en vieille femme. Est-ce qu'il est permis d'entrer? Qu'est-ce que vous voulez? On voudrait vous parler. Oh, mais permettez quelque chose, monsieur, que vous avez laissé tomber. Est-ce tout? Monsieur, on va vous expliquer. J'ai mon carton sur le palier. Des raretés, monsieur, des curiosités. Non, merci. Oh, mon bon monsieur, par pitié. Alors faisons vite, tenez. Monsieur, on a sa dignité, rien qu'on ne l'ait d'abord gagné. Eh ben, on fait son métier, son petit métier. Mon carton est sur le palier, si j'allais vous le chercher. Regardez, monsieur, regardez. Des bagues, des montres, des colliers. Non. Des dentelles, non. Oh, dites non sans vous gêner. Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas marié. On fait son métier, hein, son petit métier. Et une médaille en argent doré? Non, toujours non. Mais j'ai trouvé un beau portrait tout encadré. Voilà qui a l'air de vous intéresser. Est-ce encore non? Est-ce encore non? Et si on vous offrait un petit violon? Combien? Combien, je vous dis? On s'arrange toujours entre amis. Je vous permets de l'essayer. Nous conviendrons du prix après. Thank you.
manger, donne-y. Et il s'en va droit devant lui. Est-ce qu'il va comme ça? Marche depuis longtemps déjà. Le ruisseau, ensuite le pont. Où est-ce qu'il va? Le sait-on? Il ne le sait pas lui-même, il ne le sait pas lui non plus, et seulement qu'il a fallu parce qu'on n'y tenait plus. Plus rien de toutes les richesses qu'on a eues, on s'en est débarrassé, on n'a rien dit à personne, on s'est sauvé après le livre déchiré. Et on est comme dans le temps, avec le sac en moins et les choses dedans. Sur la route de l'Indonésie, à cause que c'est le pays, et puis que non, je n'ai plus lui. Et que pour tourner au pays, a encore été à marcher. A beaucoup marché. Un autre pays à présent avec un village dedans. Et il pense, entrons, et il entre. Et vient une auberge, il y est entré. Trois décis qu'il a commandés. On boira son verre et après. Et il s'est mis à regarder, regarde à travers les petits carreaux, par l'intervalle des rideaux. Les rideaux de mousseline blanc tenus relevés par des embrasses rouges, les rideaux blancs, les jolis rideaux blancs. Regarde les feuilles qui bougent. Et puis quoi? Tout à coup, ce tas de monde autour du four, c'est qu'on a battu le tambour. Et on a battu le tambour à cause de la fille du roi, le roi de ce royaume-là, qui est malade, ne dort pas, ne mange pas, ne parle pas. Et le roi, il fait dire au son du tambour comme ça qu'il donnera la fille au roi à celui qui la guérira. Juste à ce moment entre un homme qui dit à Joseph « Salut toi !» Quand même on ne se connaît pas, mais c'est que moi aussi j'ai été soldat. Et c'est pourquoi je t'appelle collègue. Et quand je t'ai vu entrer, je me suis dit « Allons lui parler, il n'a pas l'air tant content. » Je me suis dit « Alors, essayons. » C'est peut-être pour lui une bonne occasion, qu'en penses-tu? La fille du roi, ça vaut la peine d'essayer. Rien n'empêche qu'elle soit à toi, parce que moi, vois-tu, moi, je suis déjà marié, mais toi, tu as ta liberté. Et tu viens, ça ne coûte rien. Tu viens, tu dis, je suis soldat médecin. Médecin, c'est tout ce qu'on veut. Même si tu ne réussis pas, ça vaut le coup. Pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout? Au revoir, collègue, et merci du renseignement. Il se lève, dans le même instant, il se lève, il sort, il s'en va, à l'entrée des jardins du roi, les gardes lui demandent où il va, où je vais. Je vais chez le roi. Thank you.
Arrivé cet après-midi, il n'est arrivé que ce soir. Trop tard. Le pauvre garçon n'a pas compris que c'est à cause de moi que la fille est au lit. On était ici avant d'être ici. La guérir sans plus nous serait facile, mais elle a beau être gentille, on n'est pas venu pour la fille. C'est lui qu'on est venu chercher, pincer. On n'a qu'à lui souffler la fille sous le nez, et puis tout simplement, on fera râteler. Comment est-ce que ça allait déjà ? La calèche est montée en l'air. Elle prend le ciel en travers. Parfaitement. Et moi, es-tu content ? Es-tu toujours content ? Ah oui, je suis bien content. Seulement, il s'agit de procéder élégamment. On va donc se servir de son propre instrument. Il se supprimera lui-même. La solution mérite de retenir l'attention, sans compter les bénéfices du métier dont on entend bien ne pas se priver. Argent, applaudissements, sourire des dames, fleurs, couronnes, décorations. Mon rôle dans le monde me vaut trop de rancune. On a parfois besoin d'une petite compensation. On fera valoir volontiers cet étonnant degré de virtuosité où il nous a fallu 5 ans pour arriver. Tout le monde attribuera cette guérison à mon talent sur son violon. Ensuite, j'emmène le garçon. 9h30, allons-y! On a fait marcher la musique, le roi m'a reçu, ça va bien. Il m'a dit, vous êtes médecin ? J'ai dit, oui, soldat médecin. C'est qu'il en est déjà venu beaucoup pour rien. Oh, moi, j'ai dit, j'ai un moyen. Alors, a dit le roi, vous verrez ma fille demain. Ça va bien, je dis, ça va bien. Le collègue avait raison, et en effet, pourquoi pas moi ? Une fille qu'on aurait à soi depuis le temps qu'on n'en a pas. Qu'en dites-vous, les cartes ? Qu'en dites-vous ? 7 de cœur, 10 de cœur, rien que du cœur, rien que de l'atout. Et je dis bien, pourquoi pas moi ? Une fille qu'on aurait à soi et rien qu'à soi depuis le temps qu'on n'en a pas. Seulement, mon ami, voilà, on est arrivé avant toi. Et c'est nous qu'on va la guérir avec ça. Une chose qu'on a et que toi, tu n'as pas, que tu avais, que tu n'as plus. Mon pauvre ami, tu es perdu. 7 de cœur, 10 de cœur, reine de cœur, on se disait, c'est le bonheur. On y croyait quand même, ou bien... Mais c'est qu'il y a le moyen, et c'est moi qui l'ai le moyen. C'est vrai ce qu'il dit, il me tient, et c'est lui qui l'a le moyen. Moyen unique, remède unique. Moi je n'ai rien, je n'ai plus rien. Musique, musique, musique. Hardy, vas-y quand même, saute-lui dessus, casse-lui les reins. Il n'y a qu'elle, cher ami. C'est pas un homme, je ne lis pour rien. Pour toi c'est fini, F-I-F-I-N-I-N-I. Que si, tu lui peux quelque chose, je te dis. Lui, il te tient encore parce que tu as de l'argent à lui. Fini, fini. Débarrasse-toi de cet argent, tu es sauvé. Joue aux cartes avec lui, il va te le gagner. Jouez-vous. On a de l'argent. Comment? Je vous dis, voulez-vous jouer? Cher ami, mais très volontiers. Il gagnera. Gagner. Toi, tu vas perdre, il sera perdu. De l'or, des billets, des écus. Très bien. Combien ?
10 centimes le point. 2 francs le point, pas un sou de moins. Si vous voulez, mais attention. Plus de livres, plus de violons, restaient les petits sous s'en vont. Il joue, le diable gagne. Ensuite, ce sera la fin, vous n'aurez plus rien. Il joue, le diable gagne. Plus rien que la fin, F-A-I-M, fin. Il joue, le diable gagne. Tu vois, jamais plus, jamais plus. Tu iras pieds nus, tu iras tout nu. Il joue, le diable gagne. Hardi, 100 sous. Je dis 100 sous. Tu es fou. Il joue, le diable gagne. 50 francs. Doucement, monsieur. Doucement. Gagnez quand même. Tout ton argent. Tout mon argent. As de pique. As de pique. Et toi? Reine de cœur. C'est encore moi. Tu vois, tu vois. Tu vois. Tu vois, il va tomber. Attends. À présent. Lève-toi. Donne-lui à boire, ça le remettra. Dis-lui à votre bonne santé. Tenez, ça vous remettra. Je vous dis de boire, tenez. Et je bois à votre santé. Encore un. Vous abusez. Attention, il va tomber. On est léger, on est léger. Et peut-on essayer? Il n'en a pas encore assez. Ah, c'est comme ça. Eh bien, tiens, tiens, tiens. À présent, tu reprends ton bien. Mademoiselle, à présent, on peut le dire. Sûrement qu'on va vous guérir. On va tout de suite aller vers vous, parce qu'à présent, on peut tout. On va venir, on va oser, parce qu'on s'est retrouvés. On va venir, on se sent fort. On a été tiré de la mort, on va vous tirer de la mort. Thank you.
Sera forcé de se remettre au lit. Et quant au prince son époux, qu'il sache qu'à présent ma patience est à bout.
pas vouloir ajouter à ce qu'on a ce qu'on avait. On ne peut pas être à la fois qui on est et qui on était. Savoir choisir, on n'a pas le droit de tout avoir, c'est défendu. C'est comme s'il n'existait plus. Un jour, elle lui dit « Je ne sais rien encore de toi. Raconte-moi. Raconte-moi un peu de toi. » C'est que c'est dans le temps tout là-bas, dans le temps que j'étais soldat, tout là-bas, chez ma mère, dans mon village, loin, bien loin, et j'ai oublié le chemin. On sera vite revenu et personne n'en saura rien. Elle le regarde, elle lui a dit « Tu en as bien envie toi aussi, que si, que si, que si, que si, oh si, je vois bien », a-t-elle dit. Et il disait « Venez ici, mais elle, pas avant que vous n'ayez dit oui ». Et alors il a réfléchi et il se disait pourquoi pas? Peut-être que ma mère me reconnaîtra cette fois. Elle viendrait habiter avec nous, et comme ça on aurait tout. J'aurais tout ce que j'avais avant et tout ce que j'ai à présent. Ils sont partis. Ils sont près d'arriver. On commence à voir le clocher. Voilà à présent la borne frontière. Elle, elle est restée en arrière. Elle l'appelle. Il s'est retourné. Le soldat a baissé la tête. Il se met à suivre le diable très lentement, mais sans révolte.